C'est la troisième, ouais, voilà. Hein, parce que là on n'est plus avec Temptation. Tout à fait. Que vous ne saviez pas que c'était du Tom Waits, hein? Non, non, je savais vraiment pas que c'était du Tom Waits. Sympa. Un, oui. Peu, un peu africain, un peu brésilien, un peu mal. C'est comme juste entre les deux. Il fait un peu la voix rousse, ainsi que l'accent. Ça ressemble un peu plutôt à Tom Waits, hein? Un peu jazzy. C'est un peu jazzy. Ouais. Mais je sens, ben, en tout cas, à mes oreilles de nord-américain, là, je sens un petit peu l'influence latine, peut-être un peu africaine. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est la voix naturelle du chanteur ou il essaie de faire Tom Waits? Non, non, il y a du travail là-dessus. Il y a du travail là-dessus. Ça, c'est clair. Le producteur est de Santos, la même ville où j'habite. OK. Je trouve que c'est bien produit, mais je suis vraiment pas un spécialiste d'enregistrement, là. Mais là, faut dire que je suis habitué.